Plus qu'un simple jeu ou une passion, le football est une véritable mine d'or. C'est un des secteurs qui génère le plus de revenus au monde. Les stades du football sont connus pour l'immense richesse que les talents sur le terrain lui ont permis d'acquérir, tandis que les meilleurs footballeurs sont souvent les mieux payés du monde. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener à la découverte des joueurs ayant les voitures les plus chères du monde. Eh bien, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Qui est le meilleur buteur de l'histoire du football? Réponse A, Joseph Bican. Réponse B, Pelé. Et réponse C, Cristiano Ronaldo. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Yo, c'est parti. Adan Turan. Adan Turan, né le 30 janvier 1987 à Istanbul, était footballeur international turc évoluant au poste de milieu de terrain. Turan est un joueur reconnu pour sa qualité technique mais fortement critiqué pour son grand tempérament. Turan possède une Mercedes SL AMG d'une valeur de 184 000 $. Lionel Messi. L'un des meilleurs joueurs de tous les temps possède une Ferrari F430 Speeder d'une valeur de 195 480 $ américains. Didier Drogba. Né le 11 mars 1978 à Abidjan, est un footballeur international ivoirien qui évolue au poste d'attaquant. Didier Drogba commence sa carrière en France au Mans Union Club 72. Il possède une Mercedes SLR d'une valeur de 200 000 $américains. Wayne Rooney. Wayne Rooney, né le 24 octobre 1985 à Liverpool, est un footballeur international anglais qui évolue au poste d'attaquant à Derby County. Il est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United et de la sélection d'Angleterre. Il possède une Vanquish S d'une valeur de 200 000 $américains. Jermaine Pennant. Jermaine Pennant, né le 15 janvier 1983 à Nottingham, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain dans le club de 7e division de Billericay Town. Il possède une Aston Martin DBS d'une valeur de 200 000 $américains. Angel Di Maria. Le joueur argentin qui évolue sur le côté gauche du Paris Saint-Germain gagne 13 440 000 € par an. Ce qui lui a permis aisément de s'offrir une Lamborghini Huracan d'une valeur de 249 780 $américains. Frank Lampard. Frank Lampard, né le 20 juin 1978 à Romford, à Londres, est un footballeur international anglais ayant évolué au poste de milieu de terrain du milieu des années 1990 à la fin des années 2010. Il commence sa carrière professionnelle à West Ham United, où son père, Frank Richard Lampard, joue et entraîne. Il possède une Ferrari 612 Scaglitti Azul d'une valeur de 250 000 $américains. Edinson Cavani. Le numéro 9 du Paris Saint-Germain a opté lui aussi pour une voiture italienne. Il s'est doté d'une Ferrari 458 Italia d'une valeur de 267 156 $américains. Cette voiture est très travaillée aérodynamiquement pour atteindre des vitesses très élevées. Elle est aussi dotée d'aide électronique à la conduite. Neymar Junior. Le célèbre attaquant brésilien du PSG a choisi une variante cabriolet de la Ferrari 458 Italia estimée elle aussi à 267 156 $américains. Une goutte d'eau pour la star parisienne. Le salaire annuel de Neymar est de 36,8 millions d'euros, soit 149 fois la valeur de sa voiture. Intitulé Speeder, ce modèle est doté d'un toit rétractable qui peut s'ouvrir et se refermer en 14 secondes. Mario Balotelli. Le joueur italien conduit une Bentley Continental Super Sport estimée à 276 930 $. Cette voiture est le modèle le plus performant de sa génération. Elle peut passer de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Obafemi Martin.
Obafemi Martin, né le 28 octobre 1984 à Lagos, est un footballeur international nigérian. Il possède une Lamborghini N50M d'une valeur de $300,000. Memphis Depay, qui évolue au poste d'attaquant sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, s'est procuré une Rolls Royce Mansory Vrette. Cette auto coûte $309,510. Son nom, qui veut dire Spectre en français, provient de la classique Rolls Royce Vrette, produite à moins de 500 exemplaires de 1938 à 1939. Il s'agit du modèle le plus puissant de l'histoire de la marque. Daniel Alves da Silva. Encore un joueur du PSG dans ce classement. Le milieu de terrain Daniel Alves da Silva a lui aussi acheté une Ferrari. Le modèle FF, cette fois-ci d'une valeur de $325,800. Ce modèle est le premier à disposer d'une carrosserie de type break de chasse, mais également la première Ferrari de la série à être dotée d'une transmission intégrale. Radamel Falcao. L'international colombien a craqué pour une voiture du constructeur McLaren. Le footballeur a opté pour une McLaren 675 LT d'une valeur de $386,616. À l'arrêt, la voiture peut atteindre la vitesse de 100 km/h en 2,9 secondes. Stevan Jovetić. Le footballeur international monténégrin évolue au poste d'avant-centre et conduit une Lamborghini Aventador coûtant $414,852. Dimitri Payet. Dimitri Payet a lui aussi opté pour la Lamborghini Aventador d'une valeur de $414,852. Grâce aux techniques développées par le constructeur italien concernant l'utilisation du carbone, l'Aventador est la première Lamborghini de série dotée d'un châssis monocoque en fibre de carbone. David Beckham. David Robert Joseph Beckham, né le 2 mai 1975 à Leytonstone, est un footballeur international anglais ayant évolué au poste de milieu de terrain à Manchester United, au Real Madrid et au Paris Saint-Germain. Il possède une Rolls Royce Phantom d'une valeur de $450,000. El Hadji Diouf. El Hadji Ousseynou Diouf, né le 15 janvier 1981 à Dakar, est un footballeur international sénégalais évoluant au poste d'attaquant. El Hadji Diouf possède une Mercedes-Benz SLR McLaren d'une valeur de $500,000. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a la voiture la plus chère de la Ligue 1. Kylian Mbappé n'a même pas encore passé son permis de conduire, il possède pourtant la voiture la plus chère du classement. Il s'agit d'une Ferrari, qui coûterait $527,796. Comme il ne peut pas encore se mettre au volant, c'est un chauffeur qui le ramène quotidiennement au camp des Loges. Samuel Etofis. La légende africaine Samuel Etofis, le joueur le plus riche d'Afrique, possède une Bugatti Veyron d'une valeur de $2,276,700. Cristiano Ronaldo. Selon le média espagnol Marca, CR7 a acheté l'unique voiture de Bugatti, la voiture noire, qui serait la voiture la plus chère du monde jamais construite. Elle a été présentée récemment au salon de l'automobile de Genève. Selon notre source, Ronaldo a dépensé 11 millions d'euros pour l'unique Bugatti présentée au salon de l'automobile de Genève 2019. Le quotidien sportif espagnol Marca rapporte que le nouveau propriétaire est Cristiano Ronaldo, malgré des rumeurs antérieures selon laquelle la voiture aurait été achetée par Ferdinand Piëch, ancien président du groupe Volkswagen. Le propriétaire ne sera pas en mesure de conduire la voiture avant 2021, car l'entreprise doit encore finaliser certains petits détails sur le prototype selon des rapports. Il a également été rapporté que la société de luxe française n'avait conçu qu'une seule des super voitures pour rendre hommage au 110e anniversaire de la fondation de la société. Selon le média espagnol Marca, CR7 est l'acheteur de l'unique voiture de Bugatti, la voiture noire. Et bah, concernant la question, la réponse est Joseph Bican. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Eh bien, c'était les footballeurs ayant les voitures les plus chères de l'histoire.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et parmi tous ces joueurs, lequel est votre préféré? Dites-le nous dans vos commentaires. À plus une prochaine vidéo. Bye bye!